Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man PS4, on est parti. Alors apparemment, on a un personnage, un vilain choqueur qui refait des siennes. Alors c'est un personnage que je ne connais pas ou que j'ai sûrement oublié. On va voir, il est là à 300 mètres, on y va de ce pas. On va aller voir ce qu'il fait comme connerie ce petit con. On va aller le calmer, ne vous inquiétez pas. Ok, il est ici apparemment. Il est ici, mais derrière apparemment. Voilà, c'est bon. Ok, c'est lui Shocker. Salut Herman. Sérieusement ? Oh putain, on s'affrite direct. On va le suivre. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah ouais, effectivement. Quand il tape, ça fait des chocs. À quoi va servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage ! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiment. Allez, Herman, parle-moi. Que ça soit un minimum intéressant. C'est chaud, là. J'arrive pas à... Ah, il y avait moyen de faire un truc. Ah, putain. C'est ça ? Monsieur Shocker ? J'avais réussi à le rattraper. Il saute super haut, ce con. Je suis en train de le perdre. C'est vachement chaud là. Pas lui courir pendant une heure derrière là. Pas que ça faire moi. Ah bah dis donc. Parlons un peu. Pourquoi il m'a arraché la tête. Allez, on est reparti. Franchement, Herman. Vraiment tu remets ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais. Allez, on va le rattraper. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. Ah putain, j'ai raté. Alors il y avait des courses-poursuites comme ça aussi dans Spider-Man Ultimate. Dans Ultimate Spider-Man, pardon. Et là, putain, je vais pas m'en sortir là. Oh là là. Je ferais mieux de m'activer. Oh putain. On est dans la merde. Allez, allez, allez. Putain, je peux esquiver. Oh là là, il m'envoie des trucs. On va le rattraper ou quoi là, bordel? Putain, mais j'ai appuyé. Putain, mais j'avais appuyé. Ah, il me rend fou là. Il commence à me rendre fou lui. Ah putain, mais je suis revenu en arrière et tout. Vite. Oh là 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 là, il me rend dingue. Ça y est, ça c'est la mission
qui m'avait rendu fou dans Ultimate Spider-Man. Avec Electro, c'est exactement la même chose, il fallait le suivre. Oh là là, c'est une catastrophe. Putain. Mais on recommence d'où? Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel? Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Allez, on se bouge! Putain, la foros. Putain, mais j'ai vu le triangle là aussi. Oh là là. Ah, c'est bon. Ça avait sauvegardé. Son armure est vraiment sympa au Shocker, hein. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. T'as le charisme d'une huître. Ah, ton costume, il déchire. Ouais, plus tard. C'est exactement ce que je disais. Et ben, on a réussi. Compliqué, mais on a réussi. Allez, travail, en prison. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Ok, nouvelle mission annexe disponible. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? Ça t'irait un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-piste pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux? Ouais, bien sûr, le jour se lève. Pas de problème. Monsieur Lynn va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Je lui ai raccroché au nez comme ça, Mary Jane. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Apparemment, le jour se lève. Ah, il attend avec un donut, c'est son téléphone. Ah oui, il attend que le jour se lève. Donc, il n'y a vraiment pas de cycle jour-nuit. Hein. C'est les missions qui décident du temps qui passe, en fait. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Donc, je retourne voir Martin Lee. Alors, il doit être à son bureau. Maintenant, il est où l'étage? Ok, c'est à l'étage. Comment je grimpe là-haut sans passer pour un fou? Peut-être par là, sûrement. Les escaliers, s'il vous plaît. Ah, ça y est, j'ai trouvé les escaliers. Monsieur Martin Lee, j'ai quelque chose à vous dire de très important. Ah, il est là. Directeur. C'est le directeur du lycée? Je savais même pas. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon?
père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous le sentez aussi, mais ce chinois, je le trouve zarbi. Je le trouve zarbi, ce chinois, alors là, je le sens pas. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Il y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement, mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. À quoi ça sert de pouvoir regarder le tableau si on peut rien faire dessus? On peut pas sauter. Ah bah oui, forcément, on est dans un lieu public, on fait pas le con. C'est quoi? C'est un... c'est quoi exactement? Welcome to Fest. Donc en gros, c'est un... ah d'accord, c'est un genre de foyer. C'est pas un lycée, tout à l'heure je vous ai dit c'est un lycée, mais c'est un genre de foyer en fait. Pour venir en aide aux gens. Ok, temps de chargement. Donc c'est le chinois, s'il me demande de lâcher l'affaire, c'est qu'il est chelou le mec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve chelou le chinois. Allez, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. C'est pas évident. Alors si on a du temps à tuer, on va aller faire une petite tour de surveillance qui est pas trop loin. On a pris... ah, plus 10% en dégâts de mêlée. C'est pas mal ça. Plus un point de compétence. Nouvelle mission annexe débloquée. Faudrait que je vois où elle est. Bon, pendant ce temps, on va aller faire la tour... elle a 600 mètres. À toutes les unités, on a reçu plusieurs appels pour des agressions perpétrées par des hommes armés. Pas le temps de faire les crimes, je suis désolé. C'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. Ok, bah si on se reparle avec Mary Jane, c'est pas mal, c'est gentil, ça fait plaisir. Ça m'a touché de le voir. Mais en tout cas... je savais qu'il t'aimait bien et l'admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, Tante May. Je lui transmettrai. Ouais, chouette patron, mais moi je te dis la vérité, Tante May, je le trouve chelou. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Allez, on va tenter aller une dernière tour pour combler les 15 minutes. Et au moins après, on sera tranquille. Ne vous inquiétez pas, c'est que Spidey au milieu. Allô? De tout le monde. Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ah, ben on va aller voir le docteur Octavius dans le prochain épisode. Tu vaux mieux que ça. Et ouais, je suis toujours en retard. C'est, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Allez, c'est parti. On pirate cette tour de surveillance. C'est vraiment la même chose que Batman, quoi. Ah, et parfait. Bah, dans cette vidéo, on aura appris que le chinois, il est chelou.
Mais ça, ils ne l'ont pas dit, c'est moi qui le devine. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. À plus dans le bus et à bientôt dans le métro.